Adore et confie-toi. Ne t'inquiète pas des déserts de ta vie, de tout ce qu'ils t'infligent comme souffrance, peine, chagrin, et de tout ce qu'ils te volent comme bien-être et bonheur. Ne t'inquiète pas pour ton avenir qui se dessine sans espoir. Fais le désirata de Dieu. Offre-toi à lui de tout ton cœur au milieu de toutes tes inquiétudes et de toutes tes craintes, comme un sacrifice vivant et agréable, malgré tout sur son autel de grâce. Ne t'inquiète pas de ta solitude dans ce lieu profondément aride, sec où ta marche devient de plus en plus difficile, pénible, insupportable, à cause de sa chaleur suffocante, ainsi que la faim et la soif terrible qui t'affaiblissent. Ne crains pas de tout perdre, mais ne fais jamais l'erreur de perdre ta relation avec Dieu. Avec confiance, tiens-lui si fort la main au milieu de tout ce qui te fait peur, car lui seul peut te comprendre et te consoler. Peu importe que dans ton for intérieur, tu te vois dans un puits infernal et tu sens que pour toi, rien n'est plus possible. Peu importe que selon la sagesse humaine, tu te trouves nul et minable. Si le Seigneur t'approuve, nul ne peut te détruire ou te nuire. Lorsque tu te sens abandonné, triste et déprimé, adore et confie-toi à Jésus. Adresse-lui une lettre d'adoration écrite sur le tableau de ton cœur brisé qui saigne de douleur. Offre-lui ton existence qui te semble abîmée et démolie par les situations et les déceptions de la vie. Quand les mots te manquent ou ne suffisent pas pour vraiment exprimer les tourments et les blessures de ton cœur, ne te retiens pas. Comme un petit enfant abattu, affligé, laisse couler tes larmes en levant vers lui les mains pour dire ta détresse et implorer son secours, car il est le seul et le véritable recours. Sois heureux. Fondamentalement, sois en paix, sois inlassablement patient et doux. Ne te tente de rien, ni des malheurs quand rien ne peut t'arriver, que Dieu ne le permette ou ne l'ait prévu. Garde toujours sur ton visage le sourire, la joie, reflet de la présence du Saint-Esprit qui agit en toi et pour toi, non pour ta destruction, mais pour répandre l'odeur parfumée de Christ, ton identité et celle de ta destinée.